Vous allez bien, vous avez la forme. Akikala, j'ai l'impression que mon chat fonctionne pas. What the fuck? What the fuck? Enfin si, le chat Twitch fonctionne, mais le chat sur la caméra ne fonctionne pas. Ah si! Miss the Bubblegum! Oui, je vais bien. Ah, là ça va, là j'aime bien. Eh bien ça va, tranquillou, la vidéo pour demain est prête. Enfin, elle est uploadée, là elle est en traitement. J'ai fait la miniature. Vous allez voir demain. Il y a du foutage de gueule, mais comme rarement j'en ai fait. Vraiment. Je suis très fière de moi. Ah là là, mais je vais très bien, Miss Bubblegum, et toi, poulette. Salut, Nilopa. Bon, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Nous allons jouer à Stardew Valley. Salut Juju de fruits. Oh, Juju de fruits. C'est bien ton pseudo. Nous allons faire du Stardew Valley. Et nickel, le fanart avance. Ah, oh, super. C'est vrai qu'en parlant de fanart, j'ai plus trop fait de vidéos Brim's News. Je pense que je ferai des vidéos info quand il en faudra. Et de temps en temps, je ferai une FAQ parce que je me rends compte que c'était pas très vu. Pas très aimé. Puis de toute façon, j'utilise beaucoup mon site internet toutes les semaines pour donner des news. Enfin, toutes les semaines quand il faut, là aussi, pour donner des news si besoin. Donc voilà. Oui, mon pseudo est de toute beauté. Il est de toute beauté, Juju de fruits. Donc, on va jouer à Stardew Valley aujourd'hui. On va continuer. Alex, nous l'avons séduit. Nous l'avons épousé. Donc, nous allons continuer. Rebonjour. Oui, rebonjour. Parce que c'est que ce matin, j'ai fait un petit live sur Instagram. Vous avez. Ma chaîne, mon Instagram ici en dessous. Voilà, c'est mon tout d'Instagram en dessous. Allez voir. Donc. Je suis en mode paix toute pourrie, les gars, je vous dis déjà. Excusez-moi. Salut moi, Masaki. Donc. On a last. Bon. Hop. Je vais juste redire ça pour mes FPS, même si c'est pas un truc. Voilà. Voilà. Donc, hop. Waouh, tu vas beaucoup trop fort le son. Bonjour, je n'ai plus d'oreilles. Mais pas le son si fort. J'ai cru que j'avais mon oreille qui est la mode. Pourquoi tu mets de la musique? J'ai mis de la musique? T'avais autorisé à mettre de la musique le jeu? Attendez. Salut Axari! Mon swag Axari! Pas de musique, ok. Je peux mettre la mienne, allez, die. Believe in the magic. Allez, hop. Salut Alex! Coucou mon chéri! Ah bah écoute, c'est fantastique. Oh la galoche. Est-ce qu'on peut lui faire un œuf sur le plat? Je vais lui offrir un œuf. Hé, hey, regarde! J'ai un œuf! Regarde, tiens. Merci. Ah, il est content là. Ah, il est content. Oh là là, il est content. On a 11 cœurs avec lui ou quoi? Bon. Petite lettre. Salut! Je me suis dit que ce serait marrant de t'envoyer une lettre. Je ne sais pas trop quoi écrire. J'ai joint un petit cadeau pour toi. Ne le dis à personne, mais je l'ai piqué dans l'arrière-boutique de Jojo Mart il y a un bout de temps. Ok, à bientôt, Shane. C'est quoi? Piment farci. Bah merci, hein. On va le mettre dans le frigo pour pas que ça pourrisse, hein. On va dire ça comme ça, hein. Soyons RP au possible, les amis. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des choses à récolter? Ah, non, pas ça. Ah oui, c'est vrai, on devait voir aussi s'il y avait des... En fait, je mets toute la bouffe autre part, parce que là, c'est pas idéal, hein. Non! J'ai plein de bouffe dans mes coffres.
Voilà. Est-ce qu'on a des choses ici à récolter? Ouh, les myrtilles! Les myrtilles! Les myrtilles, bon, hop, on y va. On va les garder, à mon avis, les basiques pour faire des confitures. Ah, c'est les vaches qui font ce bruit. On aurait dit un meuble qu'on bougeait ou quoi. Voilà. Hop, et bien là, l'orange. Ok. On a pas grand chose. Oh, cette petite musique posée là! Qui arrive comme une douce mélopée dans mes oreilles. Ah, bah écoute, je suis ravie que mon imitation du mouton te plaise, Axari. Ah, mais voyons, on va ici. Qu'est-ce que je peux. Est-ce qu'on peut se faire des roubignoles à l'honneur ici? Regardez-moi ça. Nickel. Le tissu dans le truc ici. Par contre, je sais plus combien il fallait pour... Attendez, je vais juste ouvrir un onglet avec le, camp... avec le Carpenters. Pour savoir combien il faut... J'aimerais bien avoir une meule. Pour avoir une meule, il faut 4... Oh! Est-ce que je pourrais peut-être déjà pas la faire? Il faut 150 bois et 50 pierres. Oh, j'ai de quoi faire! On va la mettre ici. On va aller faire ça. Je sais pas si Robin, elle est là, elle est chez elle. Oh, coucou! Attends, j'ai monté sur des heures parce que je suis pas sûre que les abeilles t'entendent. Ah. Ah si, ils t'entendent normalement. Je vais pas te créer dans les oreilles non plus. Hein. Non, non. Juste baisser le son ici. Hop, voilà. Voilà. Donc c'est Nico, les amis, qui est d'arriver. Ce jeu est tellement pépouze, j'adore. Ah mais oui, complètement, hein, les amis. S'il y en a qui regardent la rediffusion, parce que je me traite sur la rediff... Prenez votre bullet journal, votre petit café, votre petit jus d'orange. Ce que vous voulez, posez-vous. Hein. Posez-vous, c'est un ordre. Bon. Robin, je voudrais que tu me fasses un truc bien. Hop, oh, un petit crâne. On l'a déjà donné? On l'a déjà donné. Pas drôle. Ah non, mais elle se tire là. Oh, mais non. Je suis déception. Bon, c'est pas grave, on va donner un raisin à Linus. Je fais un cadeau à Linus cette semaine. Non, on va lui en offrir un. Linus! Coucou Linus, j'ai un cadeau pour toi. Tiens mon pote. C'est un cadeau génial, merci! Fabuleux! Ravi qu'il te plaise, Linus. Bon, bah, tant pis, on ira demain, apparaît. Oui, regardez la télé aussi pour voir, parce que j'aimerais quand même bien ouvrir toutes mes géodes, ça pourrait être cool. Womasaki qui dit moi j'étudie en te regardant. Bah écoute, tant que tu vas te concentrer, c'est important, sinon bah tu regardes à la rediff. Hein. Parce que sinon, il faut quand même que les études, enfin d'éventuelles études, enfin les études passent avant mon live, mes amis. J'insiste lourdement là-dessus. Hop, voilà. Voilà, bon. Bon bah on apportera tout ça demain au truc, hein, pareil. Voilà. Non. Je suis en mode mais non, je vais pas vendre ma hache, c'est pas un bon, c'est pas du tout un bon plan. Voilà. Bon.
Bonjour les animaux, bonjour, 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 vous êtes mignons, bonjour, je vous aime, donnez-moi des ressources, merci. La direction... Ah, une poule qui est restée là. Salut. Bon, pas manger la fin. Oh bah j'ai pas beaucoup d'œufs. Ah oui, tiens, il faut aussi qu'on regarde pour acheter un autre... d'autres cochons. Gentil cochon. Oh la vache! Mais oh! Arrête de bouger! Voilà. Marguerite! Le petit. Une darette n'a pas de lait. Ok. Quoi? Oui, j'ai appelé une vache une darette. Et Nico qui est choqué. Ça va, Nico? Oui, oui. Tu t'en remettras? J'ai juste une drôle d'image qui m'est passée en tête, mais... Ah oui, mais ça c'est toi, ça. Au bout d'un moment, moi je peux plus rien pour toi, hein, Nico. Voilà. Ah, regardez-moi toutes ces choses là qui se font, c'est nickel, c'est parfait. Bah par contre, je suis un peu tristitude. On va aller rechercher un cochon. Et je vais donner un nom à un cochon, le nom de l'un d'entre vous au cochon. Parce que j'aimerais bien... Ouh, pardon, bureau PCE comme des rois. boisson gazeuse. Désolée. Pour ce petit pas bruit bon hautement point. Sexy. Donc. Ah non, mais Marnie, elle est fermée aujourd'hui, je crois. Oh, elle est fermée. Bonjour, je vais te parler. Salut. Tu aimes les fruits? Tiens, mange-en 5. Oui. Oh, il aime bien. Ok, cool. 5 fruits et légumes par jour. Ouais, voilà. C'est ce que j'allais dire, ouais. On va aller un peu récolter des choses, hein. Ah, j'ai pas regardé la télé pour savoir si les esprits étaient de bonne humeur aujourd'hui, c'est vrai. Pourquoi Gus a une émission de Rostar du... Bah écoute, voilà. Oui, hein. Vive les porcs. Perso, j'écoute en joie des jeux. Bah écoute, t'as tout à fait raison. C'est comme ça que ça goûte le mieux, j'ai même envie de dire. Bon. Par contre, là, c'est mort, là. On n'aura jamais le temps d'arriver au truc. Même avec le... Ils sont de bonne humeur aujourd'hui. Oh non, on n'aura jamais le temps d'arriver au truc. Non, c'est bon, c'est mort. Laisse tomber, c'est mort. Ah! Tant pis. Bon, on ira demain. Bah, qu'est-ce qu'on va faire pour le coup, alors? Trop de choses à faire. Bah, trop de choses ou trop peu de temps, en fait, pour les faire toutes. Bon. Ce qu'on va faire, c'est très simple. On va aller un tout petit peu miner. Prendre du gâteau au chocolat avec nous et d'autres ressources, d'autres petites choses. Voilà, tout petit peu miner. Quand tu parles du gâteau au chocolat... Ça me rappelle trop la séquence avec Auré. Oh, mais là, le pauvre. Moi qui faisais tout le temps chier pour que... Mais littéralement regarde, chier. Regardez la reine des sauces, hein, t'es contente, hein. Ah mais moi j'étais trop contente, moi. Même sur le coup, tu croyais qu'il te trollait, en fait, tu sais. Mais oui. Enfin, oui et non, parce que c'est pas... Ça... Aurélien, il trollait, mais pas tout le temps. Ouais. Donc, et sur le ton qu'il avait... Là, je l'ai cru, mais ça, je suis en mode. Mais c'était tellement en mode.
Hein, quoi? Enfin... C'était ouf, quoi. Fallait vraiment que le hasard... Il fallait une chance sur combien pour que ce soit la bonne recette? Je ne sais pas, mais il y en a beaucoup des recettes dans le jeu et... En plus, donc... C'était surtout ça, le truc, en fait. Oh, mais la tête sur sa webcam. Oh, merde. Ah non, mais j'arrive directement dans une zone de boss, tu déconnes ou quoi? On les dit, c'est pas parce que de l'iridium que je les tue, parce que sinon ça me saoule. Hein. Bon, laisse tomber. Non, ta mère! Ah, ça me saoule déjà. Voilà. Un peu de calme, s'il vous plaît. La meuf, elle arrive directement dans une zone de boss, quoi. Non, mais allô, quoi. C'est toi qui dis ça, peu de calme. Après comment tu nous as détruit les oreilles. Bah oui. Hop, allez, come on. Ah, du fer. Je surveille un petit peu, de toute façon on va juste un petit peu miner comme ça. Rien de fifou. J'accepte pas aujourd'hui que... Ta mère. Ah mais le serpounet là. M'en fous, je vais te niquer ta mère. Voilà. Oh une bombe. Dans l'autre sens. Bon, là, pour le coup, le piment farci, là, il est bien tombé. Ouah, regardez-moi cette force! Ok. Rapidité et quoi? Mais tu me saoules! Je vais te défoncer ta mère, je vais te défoncer ta race. Sale bête. Il y en a un. Gâteau au chocolat. Par contre, le gâteau chocolat, c'est un meilleur heal, je pense. Je sais pas si c'est un meilleur heal, mais avec une petite crème anglaise et un petit peu de chantilly dessus, là, sur un morceau de gâteau au chocolat, avec une boule de glace à la vanille. Comment donner fin aux viewers de jeudi? Mais c'est même à moi, bordel, tais-toi. Un bon morceau de fondant au chocolat. Mais il est, c'est quoi lui? Il s'est pris pour qui là? Ah super, on a des jaunes là. Oh, ça pue le boudin. Bonjour, je voudrais une meilleure épée, s'il vous plaît. Mais il n'y a pas d'escalier. Ah, super, un trou. Allez, wouhou! 11 niveaux, allez! Oh, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien.
C'est vrai que je vais pas avoir d'escalier rapidement. Il est déjà 21h passé. Allez au lit, jeudi. Ouais, mais j'aimerais bien, mais... Bah, pose ton lit dans la caverne. Ah, on n'est pas dans Minecraft. Non, c'est pas dans la caverne, non, c'est pas... Bon, écoutez les gars, Boyton. Salut Amos, salut Chiliou, salut Doc Pyro. Allez, petite luciole. Des lucioles. C'est cool là, concours comme ça. Ah, c'est plus en agriculture en fait. Ah mince. Bon bah écoutez. On va faire ça. Hop, 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 hop. Voilà. Ouais, non. Que je peux en... Ouais, ça va, j'ai le temps de vendre les choses. En plus, là, je cours, là. Non, l'autre... Ouais, ça, je peux, là. Là. Ben voilà, on a à nouveau des thunes. Oh, Alex, il fait déjà dodo. Ou coucou les grammes. Oh, c'est drôle de bruit. Ah, il pleut. D'accord, ok. Bon. C'est quoi ce drôle de bruit? Bah, ça, c'est vraiment drôle de bruit. C'est la pluie qui tombe. Les esprits sont très contrariés aujourd'hui, non mais t'es chiant aussi, hein. Tu retenteras ta chance de match, je dis. Ah oui, mais là j'ai pas de chance, enfin... C'est vraiment pas de chance, quoi. Bon. On va déjà apporter ça à Gunther. On va aller chercher tout le merdier, hein, en bas, là. Désolé pour le bruit de la moto. T'inquiète. Tu es pardonné, Nico. Tu es pardonné. Coucou la poule. C'est pratique quand même que le truc distribue automatiquement. Bon. Autour des vaches, de passer entre mimimines. Y'a un cochon qui a grossi! Il a bouffé toutes les patates. Ah non, mais c'est bien. Mais c'est pas le cochon que j'essaye de traire, c'est la vache! Mais... Oh, la hitbox de merde de ces animaux.
c'est comme sur Amazia, je dis. Ah oui, non, mais là, c'est... Non, non, mais là, c'est pire. C'est bizarre, la vache, elle a un seul pi, c'est ça. Non, c'est pas ça du tout, c'est... C'est con. Bon, bah, du coup, je traite tout le monde. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que le truc reconnaît pas bien la Xbox, en fait. Et donc, du coup, quand tu veux traire le bestio, ben... Ça bug. Enfin, voilà. En gros, tu traites celui qui est à 10 mètres de toi, en fait. D'accord. Fait que la logique, quoi. T'as tout compris. Je savais que t'avais le bras long de jeudi, mais pas à ce point-là. Bah, écoute. Nico, voilà. Bon, est-ce qu'on va peut-être avoir un petit cadeau de la part de Gunther avec ce nouvel artefact qu'on va lui amener? Une queue squelettique. Je ne veux pas savoir à qui elle appartient. Hein. Bon. Allez voir Gunther. Aria. On va aller voir Counter. On va pas trop toucher son trait là par contre. Salut Michael Titeuf. Ça faisait longtemps. Bah écoute, oui. Mais c'est pas grave, tu viens quand tu veux. Où est-ce que je mets. Salut Penny. Est-ce que tu aimes les fleurs, Penny? Je ne sais plus. Bon, je peux pas le manger. Merci, ça a l'air intéressant. Bah écoute, je suis ravie que ça te plaise. Donnez au musée. Regarde-moi cette belle queue. Ils sont pas les couilles. Bah merci, hein. Est-ce que je peux pas profiler un autre cadeau à Linus? Un peu me promener, essayer de trouver des trucs à revendre. Ah bah on va aller sur la plage. Beaucoup pris par des jeux pour moi, God of War a bouffé 40 heures de ma vie. Ah ouais quand même. Bon écoute, tu t'es fait plaisir, hein. Écoute, t'as bien raison. On va aller sur l'autre petite partie de la plage. Oui, aller faire la meule aussi. J'avais dit que je devais aller la faire. On va aller faire ça. Alors on a déjà acheté son collier là, fatalement, vu qu'on est mariés. Voilà. Bon. Ah mais... J'adore YouTube, mais quand il met les notifications... Ah bon? J'aime bien aussi. Des notifs de YouTube. Ah ouais, ouais, là j'en ai eu deux d'un coup. Quoi? Oui, oui. Vérifie qu'elle date pas de l'année dernière. Non, 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 c'est mes des nouvelles. Je garde des coquillages à offrir à mon mari. Oh. Oui, des coquillages. Je dis aller sur la plage abandonnée. Coquillages avec crustacés. Crustacés. Oh oui, tiens. Je me suis renseignée pour le prochain Harvest Moon sur PS4, mon dieu qu'il est horrible. Ah d'accord, ok. Bonjour! Construire un bâtiment! Oh, mais ça prend quasi pas de place ce truc. Allez, die, hop, là, dans ce coin-là. Ça me convient. Allez, salut!
Je vais quand même parler aux autres. Quand il pleut, j'ai une bonne excuse pour rester dans la journée. Ok, d'accord. Dimitrius. Ouais. Voilà, Sébastien n'est pas là. Bon, bah voilà. Non, c'est le processus de la... Oh, de la meule. Pardon, excusez-moi, ce bâillement là, de l'infini et de l'au-delà. Est-ce que je peux acheter, est-ce que je peux faire des, apprendre des cochons? Est-ce que je peux prendre des petits cochons, adopter des quelques petits cochons, ça pourrait être bien. Je suis sûr que t'as fait bailler au moins plus d'un de tes jeux. J'avoue. J'ai un coup de pompe qui me prend là. C'est abominable. Prendre des vitamines. Faudrait. Manger une bonne orange et boire un bon café. Mm. Et la terre quinquée. Comment je l'appelle? Le porcelet. Oh, le bâtiment est plein. Merde, je peux pas en adopter d'autres. Ah, c'est tout petit. Bah, mets-le dans ta maison, non? Non, j'ai déjà mon mari. C'est logique, non, voyons. Oh là là. Pff. Ouh, je suis triste. Bon. Vous savez ce qu'on va faire, les gars? On va dégager des vaches. Oh non, pas les vaches, j'aime bien les vaches. Non, mais les cochons rapportent plus. Ah. Et t'as pas la place de faire. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. On va dégager deux vaches. Non, une d'arrêt, je vais la garder. Comment ça marche dans Stardew? Je dis, t'as un seul bâtiment où tu peux mettre tous les animaux de ferme dedans, c'est ça en fait? Ouais. Bon, je vais vendre. Ouais, t'as pas par exemple une étable, une porcherie, une bergerie ou je sais pas. Si, quoi, si, j'ai ça, mais j'ai un certain nombre que je vais mettre dedans. Bon, j'ai vendu Flo et je vais vendre Capucine. Voilà. Comme ça, il me reste 4 vaches, donc ça fera tout payer le truc pour le lait. Et donc, comme ça, je vais aller adopter. Bien que je pense pas qu'on aura le temps. Elle va fermer avant, à mon avis, je parie. Attends! Attends! Ça va juste sous ton nez, tu ah, sais. Mais complètement, je sens venir le truc comme ça. Attends! Ne ferme pas! Je sais plus si t'as 16 heures ou pas. Fermé. Bon, bah voilà, écoutez, mais c'est pas grave, on ira acheter des cochons demain! On va aller au bar ce soir, on va offrir des pâtes aux gens. Ouais. On va faire ça. La gueule, ouais. Ouais. Ah ça, le chat a déjà de l'eau. Puis-je avoir un cochon, s'il te plaît? Je ne sais pas où est des cochons par la poste encore, mais en avoir un à ton nom, je peux voir. Maintenant, je vais en prendre deux. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que je pense que j'ai privilégié quand même des gens qui viennent souvent sur mes streams. Bah, comme Michael Titeuf, qui n'a pas de cochon et qui, lui, est quand même assez souvent là. Et qui en plus est sub. Donc voilà. Donc peut-être un autre animal, peut-être quand j'aurai des poules du néant, peut-être. Salut Papa Canard. Peut-être que je prendrai Michael Titeuf et... Allez, je vais prendre Michael Titeuf et Miss Bubblegum, voilà. Ce sera les deux personnes que je vais prendre pour les noms de cochons, si ça vous va, hein. Si vous ne vous vexez pas. Ah bah lui, ça, il aime pas la bière. Salut! C'est l'heure de la tournée, Micheline! Tiens, Pam, saoule-toi!
Tiens. Tiens. Ton quête des cas, une énergie positive. Non, ça sent plutôt l'alcool, mais oui, si tu veux. Ça s'appelle ça comme ça, ça me va. 1, 2, 3, 4. Eh, hey, tiens, Lewis. Hop, tiens. 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 Et voilà. Ah oui, il aime bien le Joja Cola, c'est vrai. Je vous prends une bière juste pour la miss. Comment arriver à s'abonner après quand je parle de pseudo? Ouais. Attends, je vais même t'en offrir un. Tiens. Ah, c'est ton anniversaire et j'avais oublié. Ah, cadeau d'anniversaire. Ah, oui, 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 c'était tout à fait ton cadeau d'anniversaire. Je n'avais pas du tout oublié. Ah oui, tiens, je vais prendre aussi une pinte pour demain pour faire un Marnie. J'en prends quelques-unes avec moi, tiens. Voilà. Allez, salut. On en offrira une demain, Marnie. Vie Alex, on ne doit pas être déjà couché à mon avis. Si? Ah non, il fait son sport, il admire la lampe. Il a en mode, oh, une lampe. What? Il est jaloux? Donc il peut qu'à donner un cadeau à Shane en secret aujourd'hui. Mais, devrais-je m'inquiéter? Mais non! Oh mais allez, vas-y, tire pas la gueule! Allez, je te fais une gâterie. Allez, viens, je te fais une gâterie au lit si tu veux. Mais allez, oh là là, mais quel casse-bonbon. Je te ferai une moule demain. Oh, mais la vie de couple, je vous jure. Oh, m'en parle pas. Oui. On va éviter les sujets qui fâchent. Hein. Quoi, il boude encore? Il est où? Eh, hey, tu vas pas bouder tout le temps? Si, il va aller dormir sur le canapé. Bonjour ma chérie, je t'ai fait un petit déjeuner bien, bien chaud. Oh, merci mon chéri! Il m'a fait des pommes de terre rissolées! Oh, je mets ça au frigo, d'accord? Je vais pas manger tout de suite. Si tu veux devenir forte, tu devras manger comme jamais. T'aimes bien les grosses, hein, toi. Attends, excusez-moi. Allez, regarde, je vais t'offrir une moule, mon pote. Une moule de garça de qualité or, tu vois. Merci, tu vois, et t'as vu ça? Allez, bonne aventure. Ils sont de bonne humeur, je pense que vous aurez un petit coup de pouce de dame chance. Bah écoutez les amis, on va aller ouvrir des petites géodes. Hop, hop, hop. Hop. Oula, ah bon, et on a plein de trucs en fait à... On va ramasser tous les piments. Je vais aller aussi. Voilà. Mon Dieu, tout ce fric qu'on va avoir, c'est trop bien. Tu vas pouvoir payer une Ferrari à ton mari. Ouais. Peut-être. Je sais pas si c'est son trip, mais bon. Oh mon Dieu, mais, et toutes les myrtilles en dessous, regardez-moi ça. Oh, oh là, là, les amis, là, c'est ce qu'on appelle se faire plaisir. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire, voilà quoi. Ah, le poc-poc, c'est notre cher ami Robin. Allez, Robin. Tiens, et voilà une pinte. Merci, c'est vraiment sympa. Wow, regardez comme elle est énergique d'un coup. Elle est en mode, la bibine! Ah bah non, d'un coup, ah bah non, en fait elle est bonne. Elle était... Là maintenant elle veut plus. Elle est dans le mal.
Allez, c'est bien. Fais ma meule. Fais ma meule. Fais ma meule. Je vends, je vends, je vends, je vends, je vends, je vends, je vends. Là, il y a des petites oranges aussi. What? Oh merde, l'orange a cramé un arbre. L'orange, moi, l'orage, l'orange, lol. Ah oh, mais merde, quoi, l'orage qui a cramé un arbre. Du charbon. Ah oh, mais merde. Oh, ça, c'est rageant. Mais c'est réaliste. Ouais, mais moi, je voulais pas... Du coup, je sais même pas quel arbre est abîmé, en fait. Ah, ça t'a juste mis un message comme quoi l'orage avait... Non, non, du tout, je vois l'arbre qui fume, en fait. Ah. Il fume de ses propres feuilles. What the fuck? Je sais pas, je reconnais pas l'arbre que c'est en fait, donc je sais même pas quel arbre fruitier je n'ai plus. En même temps, si le truc il fume et qui est calciné... Mais oui, mais est-ce que c'est qu'il y a plein d'arbres fruitiers différents, j'ai même pas pouvoir le remplacer, tu vois, donc du coup je sais pas lequel c'est. Ouais, je me doute, je sais. Voilà. Niveau myrtille, les gars, je pense que j'en ai la blinde, je crois que je vais en revendre. Mon dieu, quoi, mais c'est torchi de fruits. J'ai encore des fruits en dessous. Non. Donc, on va aller vite chez Marnie acheter de nouveaux cochons. Avant que ça ferme. Avant que ça ferme. Ok, bisous Amos, prends soin de toi. Donc, nous allons donc appeler un cochon Michael. Je sais pas si ça... Je ne sais pas si... La grange pour le cochon. Donc, Miss Bubble Gum. Hop, un petit cochon à ton nom. Et l'autre, on va l'appeler donc Mickaël. Ça te va, Mickaël, petit œuf? Au pire, Mika, c'est bien. Ok. Voilà, Mika. Je t'envoie la petite Mika, c'est même... Ah, c'est une cochonne. D'accord, mais Mika, tu es une cochonne. Ah, par contre, je vais pas faire ça bien à Marnie. Marnie, je voudrais être ton amie. Merci. Et elle est contente. Est-ce que j'ai des cœurs avec toi, Marnie? J'ai qu'un cœur. Demain, tu auras droit à ta bière. Est-ce que je peux donner une bière à ta fille? Attends, ça fait la petite celle. Si elle offre la bière, ça fait quoi? Burk, c'est dégoûtant. La fille... La fille qui offre des bières aux enfants de 5 ans, tu vois. Eh, tu veux de la bière, ma petite? Tu vois. Oh là là, n'importe quoi.
Ben voilà, on a plein de petits cochons. C'est trop bien, le petit cochon. Bon, allons ouvrir nos géodes. Ah, la raison d'avoir une batterie, à mon avis. Bon, bah écoute, c'est pas grave, hein, Mika. Tu. C'est pas grave. Si. Je ne peux pas tout prévoir, malheureusement. Ouvrir géode. Wouah! 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 J'espère que j'aurai plus de chance. Wouah! Wouah! Bon les gars, je pense que la prochaine fois t'entendras que les esprits soient vraiment méga heureux pour le jeu, parce que là c'est vraiment du vol. Hein. Ah, c'est le jeu là, il m'a volé là quoi. Bon, moi j'ai des trucs à me donner au musée. C'était pas ouf. Me v'là en cochonne maintenant. Bon bah on va revendre le reste de tout ce merdier hein. Ça va nous rapporter que dalle mais bon. Ah ça c'est bien ça par contre. De cliquer un peu partout parce que là dans l'herbe avec tous ces canards et tout ça c'est pas évident. Je vais faire des enclos plus grandes. Mais en fait non c'est parce qu'ils sont dans les herbes hautes et donc du coup ben, on les voit moins bien. Ah oui. On a les vaches du coup on en a plus que 4. Ah il m'a trouvé une truffe. Yeah, mes premières truffes. Ah, Kitsuna n'a plus de lait, ok. Mais merci le cochon, merci. 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 On va dire que j'ai trait tout le monde, c'est bon. Non! Je vais pas boire du lait. Ah mais je suis con, non, c'est à l'autre machine, mais je suis trop con. La meuf qui essayait, mais bon. Bon. On va regarder pour se faire. Donc ça je garde. On va regarder pour se faire un truc assez intéressant. Qui est une machine pour faire de l'huile de truffe. Parce que ça, ça rapporte. Donc la machine pour faire de l'huile de truffe. Il nous faut babois massif, un lingot d'or et 50 slime. Donc hop, si je pouvais en avoir 4. Donc babois massif, 50 slime. Donc il nous faut environ 200 trucs de slime. Oh le chat, il faut que je donne à boire au chat. J'ai le bois massif. Et j'ai les trucs de slime, ça c'est bon ça. Ça c'est tout bon, c'est tout bénef. Brave chat, brave bite, tiens. Ta pitance pour chasser les souris. 1, 2, 1, 2, 3. Et 4! Par contre, la lore. Voilà. Bon, moi, maintenant, on a des machines pour faire de l'huile de truffe. Et là, les amis, là, ça va rapporter. Là, ça va rapporter masse boulasse.
Hop. Hop. Je sais pas pourquoi tu prends cet accent là, pourtant c'est pas de la vodka que tu fais. Non. Ah mais t'en sais rien ça. Bon, si, ça, si t'as des patates, tu peux en faire. Oui je pourrais. C'est pas à base de pommes de terre la vodka? Ouais. Ah je savais pas. C'est d'accord. De l'alcool de patate. D'accord, ok. Eh ben ça c'est nickel. Bon, allons voir un petit peu là-dedans ce que ça donne. Oh super, on a des fruits. On a des fruits. Ah ça c'est bien. Ça on va garder ça pour faire des... Est-ce qu'on a une machine à graines? Je pense pas qu'on a une machine à graines. Si on en a une. Ah si on en a une, on en a une, on en a une. Bon la bière, tu sais que c'est la fermentation des céréales. Hein. Oui oui. Bois, pierre et charbon. Yeah! Et bienvenue à Toba 6. Salut Flémy! Ah, sorcière de glace! Et coucou Poulette! Comment que tu vas? J'aime les personnages, ils portent les items peut-être comme des, fourmis. Comme les fourmis parasols. Ouais. Sorcière. C'est pas incroyable cette meuf. Hop, hop. Bon, j'ai plus, ok. Est-ce que je peux peut-être tenter de faire des graines avec ce truc-là? On va tenter. Et donc il me fallait, pour faire une machine en plus, 8 charbons. Je vois, pour en faire 2 en plus en fait. 100 bois et 80 pierres qu'il me faut pour le coup. Mince. Il me faudra des... J'ai coupé du bois. Ça je jette, je jette, je jette, je jette. Ça je prends. Nickel. On va refiler une petite bibine à notre ami Robin. Non. Ah je peux pas lui filer? Ah je peux pas lui donner. Oh c'est nul. Donc il manque 50 bois. Il manque 13 bois plutôt. Bienvenue à Tendori FR, le poulet Tosor. Ok, merci pour ton follow, bienvenue à toi. C'est un pseudo tout à fait fun. Ah non, ça c'est bon, je les ai. Oups. Est-ce que... Ça m'a fait des graines comme ça? Ça m'a juste fait des graines en vrac! Oh, j'ai la haine! Bon, j'attends juste que les autres soient faits pour aller mettre les trucs dedans. Oh, j'ai la haine! Mais j'ai tellement la haine là pour le coup. Juste des putains de graines en vrac que ça a donné. Ah, oh, je suis dégoûtée. Quand tu peux donner, je pense qu'elle était mal placée. Ah bon? Non, parce que tu vois, ça reconnaît le truc, mais je peux pas lui en donner. Est-ce que... Je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre. Tu vas mettre les autres graines en vrac quelque part, hein, on a bien un endroit pour les mettre. Ah, oh, ça me saoule. Oh, j'aurais dû tellement les revendre. Je me serais fait tellement plus. Je reviens. Ok. Oh non, le chat, dit non, chaque fois que je suis en stream, ce chat vient me faire chier, là, pour avoir de la bouffe, là, dit hé.
un moment, faut arrêter de me peler le jonc, hein, mon pote. Hein. Oh! Hey, j'ai un nouveau caleçon. Je pensais que ça pourrait t'intéresser. Pshh. Mais... Ah, il est beaucoup trop chaud, Alex. Eh bien, écoute, Alex, c'est plutôt ce qu'il y a en dessous qui m'intéresse. Oh là là. Et on lit pas le rallongeon, comment bah, il du limousin, ça me casse. 26 000 trucs. 9, regardez-moi ça. Oh, c'est trop bien. Oh, ça, c'est trop bien. Salut Ragnhild! Je vois que j'arrive à un sacré moment. Eh ben écoute, complètement! Complètement! Attendez, je vais chercher une moule pour mon mari. Oh, qu'est-ce que. Oh, 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 oh! Oh, bonjour Madame Jody. J'espère que je n'arrive pas trop tôt. Bref, je voulais juste passer te remercier en personne pour tous ces fabuleux minéraux et artefacts que tu as trouvés. Tu as tant fait pour le musée, en fait je viens juste de recevoir une lettre du bureau secrétaire général d'artefacts. Nous sommes récompensés par le convoité prix de la pelle d'or contre commission de la science. Et c'est grâce à toi. Bien, je devrais te laisser voir ton travail. Oh super. Qu'est-ce qu'il fait? Heureux. Oh, j'allais oublier, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est une vieille clé qui est enfermée dans le coffre du musée depuis un siècle. Wouhou. J'ai la clé des égouts. J'ai la clé des égouts. C'est sûr que t'es normal, je dis. Ouais. Émilie qui nous a offert un truc. Être content d'avoir une clé pour aller dans les égouts. Mais il paraît qu'il y a des mobs et tout là, moi j'ai envie de voir. Donc oui, la moule pour mon mari, j'allais oublier ça. Va lui donner ta moule à ton mari. Hé. Alex. Il va faire ton devoir conjugal. Ah pardon. Non, je lui offre juste un coquillage en fait, en vrai. Bon. Ça c'est fait. Je vais regarder aussi pour améliorer la maison, parce que j'aimerais quand même bien l'améliorer, et je vais regarder, on était dans mon bullet journal. Ah oui, est-ce que donc, on est en termes de trucs, il me restait juste la cendre. Je vais juste modifier mon petit mot dans mon bullet journal pour le truc de Stardew Valley. Un bic, please, un bic. Ouais, ça sera bien ça. Hop, comme ça, j'espère juste qu'il écrit. Normalement, en théorie, il écrit. Donc. Stardew, donc il me reste le poisson à pêcher, la cendre. Donc, 6 heures à... 19h. Automne. Hiver. Voilà. Et pour agrandir ma maison maximum, il faut 150 bois. 150 gros bois. Et 50 000 gold. Oh, on avait les gold, mais on a plus le bois du coup parce qu'on a fait tous les trucs. Ah merde. Ah, ça c'est con ça. On avait les gold. Voilà, hop, au moins c'est noté. Ça c'est noté. En fait, tiens, est-ce qu'elle a fini ma meule? Elle a fini la meule! Regardez, on a une jolie meule! Eh, tu veux voir ma meule? Oh mon dieu, excusez-moi. Oh là là, bon. C'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse, c'est humain. On va pas me dire que t'en as jamais vu les meules, hein, toi, est-ce que je te croirais pas, hein? Surtout toi, Nico, hein. Ah, moi, j'en ai déjà vu des belles, hein, des meules. Des meules romaines, des meules de... Bon bah maintenant on a un arbre qui produit du charbon. Bon écoutez les gars, je vais le démolir.
Ah là là. Trois derniers petits trucs ici. Ah, une Misty au-dessus. Voilà. Ah, j'ai mon équipe chatouille. Ça là. Ça là. Et... on va continuer de produire. Que je remette le chat que je puisse vous lire. Oui, les égouts. Mais j'ai encore jamais été visiter les égouts, donc je suis très curieuse. Donc je pense qu'on va se faire tête ça. On va juste vendre ça et ça. Il faudrait aussi que j'aille chercher mes trucs. Attendez, hop, je réfléchis. Donc il me faut ça. Je pense qu'il me faudra ça. Je ne sais pas. Peut-être ça aussi, je ne sais pas. Ça. Je vais pas du tout vous dire ce que je vais y trouver en fait. C'est ça le truc. Je vais prendre quand même des gâteaux au chocolat et gâteaux comme ça. Et ça. Ah, je vais prendre le repas de mon mari, même si c'est pas vraiment le truc le plus recommandé. Parce que le chat n'a pas encore eu ce qu'il fallait. Voilà. Il sait pas s'en occuper, ton mari, du chat. Bon, non, il sait pas s'en occuper, il est trop con. Écoute, voilà. Je lui ai dit d'aller récolter tout et faire des cales aux animaux. Parce que ça, c'est particulièrement... utile. Oh, on a une patte de lapin. Ok, bah on a un lapin qui s'est arraché littéralement la patte. Thanks. Ok. Et qui a pris la peine de mettre un porte-clés dessus. Merci beaucoup. Lapin psychopathe, bonjour. C'est le bunny killer. C'est ça quoi. Bon, après la Judy Killeuse. Hein. Sur le murder. Hein. Ouf, vous allez voir demain, vous allez avoir une vidéo de murder, les amis. D'ailleurs, les subs sur Discord et peuvent voir la miniature. Je l'ai mise dans le truc des subs. Vous serez tellement fiers de moi. Ou pas. Ah si. J'ai déjà fait du foutage de gueule sur la chaîne par rapport à certains sujets et certains thèmes, mais là... Mais je pense qu'il y en a qui sont pas prêts aussi. Ah non, il y en a qui sont pas prêts pour le truc de demain, ça c'est sûr. Quand ils vont voir la vidéo, ils vont faire... What, Jody, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'est arrivé à Jody? Ils m'ont fait. Jody a profondément changé. Bah écoutez, YouTube, c'est plus ce que c'était, donc faut bien survivre maintenant, hein. Vous allez comprendre demain pourquoi je dis ça. Sachez que j'ai beaucoup payé ma personne. Beaucoup. Et Bouboune aussi, hein. Oh, je sens le truc arriver. Bon. On a nourri tout le monde, on a câliné tout le monde. Go dans les égouts.
On a de la bouffe avec nous, on a de quoi se défendre. C'est Judy qui nourrit, qui câline les animaux, et puis son mari, ouais, démerde-toi, je vais dans les égouts. Bah dis, il a eu sa boule au matin, c'est bon, hein. Oui, tiens, je vais vite aller passer chez... dans la forêt sur le côté pour aller chercher des trucs. Ah oui, il y a ça aussi à aller chercher. Oh, si j'ai une cendre, là, je serai contente. Fugu. Graine rare, ça, je prends. Ok, c'est bon. T'as joué à Fortnite, MDR. Bah écoute, sache que ça aurait pu. Ah, Nico. Ah, clairement. Mais c'est pas ça. Mais vous comprendrez pourquoi. Parce que Fortnite, vous comprendrez en fait demain oui, quand vous parce verrez. Que tu vas trop en dire après. Là, je vais trop en dire en fait, donc je vous risque de vous spoiler. Et... En fait, si vous allez bêtement voir sur jeudidreams.com le planning, vous avez déjà le titre de la vidéo de Mac qui est dessus. Voilà. Donc là, c'est du gros spoil. Là, c'est du gros. C'est littéralement. Là, littéralement, d'avoir le titre, vous spoilez la vidéo de demain. Donc voilà, ça, c'est à vous de savoir si vous voulez ou pas. Ceux qui ne veulent pas les voir, c'est très cool. Ceux qui ouais, veulent, ne spoilez, ceux qui pas, va, dans le ne chat, spoilez hein. pas les autres, hein, voilà. Vous pouvez avoir une expression genre oh my god, voilà, mais... Désolé les amis, j'ai eu des drops. Donc une petite perte de flux, maintenant c'est censé revenir, désolé. Excusez-moi, j'ai un chat qui fait chier et qui va finir par voler par la fenêtre, c'est venu faire ses griffes sur mon canapé. Sale bête. Sale bête. Voilà. It's ok, bon. Je n'ai plus gosé goût maintenant. Ça m'embarque. Yay, yeah, bienvenue à Chachou. Bienvenue Chachou, merci pour ton follow. Bon. Égout, où êtes-vous? Ah putain, je sais plus où ils sont. De l'autre côté. Il y en a qui ont vu apparemment. What? Regardez où je suis dans les égouts. Ok, d'accord, les égouts sont un raccourci pour aller dans le village. Ok, d'accord. Ouais, mais pour le coup, enfin, oh. Oh, j'ai la flemme de me taper tout le trajet. Bon, on le saura pour la prochaine fois qu'il faut pas aller par là. Oh, on y retournera demain. On y retournera demain. On le voit où ton planning? Tu vas sur jeudidreams.com. Et tu cliques sur l'onglet planning en fait, t'as différents onglets au-dessus et tu verras. Sinon tu regardes en dessous du live si t'es sur PC, tu regardes en dessous du live et t'as un lien vers ce... directement vers le planning. Bon, on va ranger tout parce que... Oh merde, ça me saoule. On ira peut-être demain ? Le bois. Oh ça va, je pense qu'on aura vite nos trucs. Tous nos bois là que je voulais.
J'avais pas une quête avec une améthyste à donner. Oui, il faut une améthyste à Mélie. Ok. Bon, on ira l'apporter le soir, peut-être. Attendez, je dégage un petit peu mon inventaire. Pour le coup. J'ai déjà eu à boire, ok. Petits œufs, non, gros œufs plutôt. Allez, toi là. Il y a trop de trucs à faire ou quoi? Il te faut un mexicain. J'avoue, Nico, viens. J'ai connu. Mais n'empêche que c'est vrai que quand le multijoueur sera bien fonctionnel, moi, si tu veux venir, Nico, jouer avec nous, ce sera qu'un énorme plaisir. Oui. Si je t'intéresse. Parce que, enfin, moi, en tout cas, je l'adore ce jeu-là. Franchement, il est clairement dans mes chouchous, quoi. On va aller apporter son améthyste à Emily. J'adore, je dis j'adore, je suis admirative du travail d'Inchana, rien que de voir le portrait qu'elle en par elle, ça me fait plaisir. Oh, mais elle est adorable, Lynn. Pas de soucis, des bisous, sorcière. Comme tu le veux, ma petite sorcière. Oula, il y a du monde. Ah oui, mais on est vendredi, donc du coup... Eh, vendredi, tout est permis. Oh, ma préférée, super, ça vient de qui? Oh, tu es de Clint, peu importe. Tu l'as eu. C'est sublime, merci. Ok, bon, bah... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... cadeau à tout le monde, les gars. Nickel. Non. J'espère par contre qu'il va pas me faire une jalousie l'autre, là. Merci, j'adore ça. Comment tu le sais? Bah parce que, voilà. Et le jojo chocolat. Ça... Voilà. Donc. Oh là, et on a 6 cœurs avec Shane. Vous pensez qu'il a fait une jalousie de notre mari? Bah, on est amis avec Shane. C'est tout, hein. S'il est jaloux, maintenant, c'est pas ma faute, hein. Moi, je lui offre tout le temps des cadeaux. Lui, il m'en offre jamais, hein. Maman, c'est bon, quoi. Hein, c'est injuste. Complètement injuste. Bah, il y a ceux qui font bye-bye, d'accord, ok. Vu le nombre de cadeaux que tu as offert, c'est plus de jalousie qu'après, c'est une syncope. Oui, mais bon, merde, hein, faut bien qu'il s'y fasse, hein. Qu'est-ce qu'il va me dire? Ah, Sam! Devrais-je m'inquiéter? Mais non, ne t'inquiète pas! Ah, oh, on a fait un bisou, tu vois, y a pas de mal, on s'aime. Allez, viens dormir. Ouais. 14 000 balles, non 13 000 plutôt, voilà, ça c'est bien. Tu l'offres des... Bah oui, je lui offre des moules. Je lui offre des coquillages, des magnifiques coquillages que je vais chercher moi-même à la plage. Hein.
Ils sont super beaux en plus. Où est-ce qu'il est? Il s'est tiré, c'est fait. Même plus. Ah, Emily qui m'a offert une nouvelle recette. Qu'est-ce que c'est? Pam qui m'a rendu sa bière, littéralement. Ok, merci Pam. Oh, il est là! Il fait son sport! Oh là là! Attends, je vais donner une moule. Il te faut les forces. Je t'offre une moule. Tiens. Merci. Tu vois, il est content. Il aime quand je chauffe des moules. Voilà. Voilà. Oups. Faut pas qu'il râle comme ça. Je lui offre des magnifiques fruits de mer et... Voilà. Bon, les petits trucs, les petits fruits de mer ici, comme ça on pourra faire plein de trucs intéressants. Ouh, ça c'est bien ça. Le vin infini. On va en mettre 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà, hop. Ici, ouais, ça va, c'est bon, on va vendre tout ce bordel. J'ai eu peur en voyant la lettre, je me suis dit qu'il allait demander le divorce. Mais non. Tu vois, je fais des choses qu'aucune autre femme ne fait, tu vois. Avec son pixel, tu vois. Cool. Bon. Salut les poulets! Salut la lapin! Par contre, c'est vrai que j'avais appelé un canard de qui? Je vais le renommer Collégramme. Parce que Collégramme, tu n'as pas encore d'animal, donc voilà, tu seras un canard. J'espère que tu es ravi d'être un canard. Ah, y a mon chat qui apprend à côté de moi. Mais je crois qu'elle veut juste des croquettes, en fait, en vrai. Après le pistil, le pixel. Ah zut, j'ai plus de... devoir aller rechercher des ressources, enfin de l'herbe chez notre cher ami. Non. Oups. Voilà. Voilà, oups. Bon, on va acheter de l'herbe chez le... Je sais bien, parce que là, c'est... Là, les vaches, elles ont plus d'herbe. C'est pas cool. C'est pas cool. Je suis ravie d'être un petit foie gras. Comment? Elles ont tout brouté. Ah, elles ont tout brouté, comme tu dis. Alors, je prends ça avec moi. Aussi, on va retourner dans... Ça, je vais laisser ça là. On va retourner dans le truc. C'est avec nous. Salut Diable 73. Coucou, bienvenue sur le live. Oh mon équipe me satouille. C'est le live de la lapincultrice. J'avoue. Ah non mais j'ai pas. Ah oui, c'est vrai que j'ai des abeilles aussi. Voilà, les gars, en matière d'herbe là, on a pris masse. Hein. Je vais très bien, je te remercie. Elle est bonne ton herbe, Jody? Je sais pas, tu demanderas mes vaches. Tu veux que j'en nomme une pour...
C'est de la bonne herbe cannabis, hein. C'est ça quoi. J'en ai acheté la blinde en espérant qu'elle bouffe pas tout. Ah super. Merde, j'ai... Très bien. Non. Ah, c'est vrai que j'avais appelé une vache Monique, mais je peux renommer le nom de la monnaie, qui je vais renommer? Hop, Flémy. Elle est pas là, mais... Ah non, si elle est là, Flémy. Je crois qu'elle est toujours là. Donc voilà, Flémy, tu es une vache. J'espère que tu ne te vexeras pas, hein. Je sais pas à quoi tu ressens, donc... Ah, c'est chiant là de cliquer sur les animaux là, à chaque fois. Ah, laissez-moi, avance! Laissez-moi cliquer. Et c'est ça quoi. Voilà. C'est moi qui en liberté. Tout l'été. Voilà. Nos petites myrtilles. Je confirme, c'est de la très bonne herbe, je me régale. Ok, super. Tu l'as pas mal pris, nickel. Et moi, je prends de l'herbe de la toute première qualité. Hein. Oups. Voilà. Venu tout droit des Pays-Bas. Oh Nico, oh Nico, 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 Nico. Bah c'est la nature, hein. Ah oui, tu m'étonnes. Sauf que cette herbe-là, si tu la manges, tu seras un petit peu... peinard. Enfin, peinard. Je ne recommande pas que vous consommiez ça, les amis, hein, je tiens quand même à le préciser. Hé, hey, coucou, Chauffanette, ça fait penser aux 12 travaux d'Astérix répéter le mot « je suis un sanglier ». Je suis un sanglier, je suis... Oui, je connais, je connais, je connais, je connais. Par Osiris et Parapis, regarde-moi. Regarde-moi, tu es un sanglier, un sanglier. Moi, un passage qui m'a fait à mourir de rire dans ce dessin animé, c'est quand t'as... quand tu arrives au sommet du truc et t'as le mec qui fait la... la promotion pour la poudre à lessive, là. Ah ouais, ouais, t'es ouais. Genre... La lessive Olympe, je sais pas quoi, oui. La lessive des dieux. La lessive des dieux. Avec... est-ce que Brigitte Bardot avait pas prêté sa voix à un personnage ou un truc du genre, là? Oh, je sais plus, mais... ils ont tellement fait de référence dans celui-là que... Un champ de force bloque le passage. Ok, donc là, je suis dans les égouts, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Un visiteur humain. Voilà qui est inhabituel. Je me nomme Crobus, marchand d'objets rares exotiques. Le vendredi, je reste silencieux en signe de dévotion de Yoba. Qu'est-ce que tu me vends? Oh, je prends l'œuf du néant. Je prends le fruit stellaire, parce que ça, c'est bien les fruits stellaires, ça augmente l'énergie. Bon, on a perdu 20 000 balles, mais bon, de toute façon, on n'a pas les trucs. Oh, c'est trop bien! C'est trop bien, la Star Drop! Vous avez trouvé une Star Drop, votre esprit envahit le lapin et le sushi. Nickel, bon, ça nous a coûté cher, mais au moins, on en a eu pour notre thune. Par contre, là, on sait pas aller, là, il y aura sûrement un truc ou quoi débloqué plus tard, là. Donc, on a acheté des trucs, on a fait du deal avec un fantôme, et là, en fait, je vois qu'on a vu notre poule. On va pouvoir avoir une poule du néant. De la mayonnaise du néant et tout. Je suis contente. On aura grave avancé durant ce live ou quoi?
Là, je vais juste aller casser quelques petits arbres, enfin quelques trucs dans quelques troncs dans la forêt secrète là pour essayer d'avoir des, enfin pour continuer à bosser sur notre petite maison. Mickey, t'as bien vu. Et viens là. Et voilà. Notre bois massif. Ah oui, aussi, je voulais vous dire les petits sushis qui sont sur le live. Je vous préviens, j'ai recommencé à jouer au jeu Wakfu. Donc c'est un petit MMORPG gratuit, je tiens à le dire. Même si les options qui sont payantes, il y a moyen de les jouer grandement, gratuitement. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, ben, vous pouvez me le dire. Hein, pour ajouter, je joue ensemble, vous m'envoyez un petit message privé sur Discord. Et si jamais je vois qu'on a un petit nombre comme ça, peut-être que je carrément je ferai carrément peut-être un Discord pour la guilde ou quoi, mais vraiment un Discord peut-être à part. Parce que j'ai une guilde et tout. Donc voilà, je sais pas si ça vous dit. Mais vous êtes prévenus comme ça. Major dans le passage avec le laissez-passer à 38. Oui, complètement. Surtout que je pense qu'on a tous connu un truc comme ça dans la paperasse où il faut aller choper un truc, le dossier C29. Oh bah, de toute façon, ce passage-là, c'est typique. Après, je sais pas comment ça se passe en Belgique. C'est pareil, t'inquiète pas. Ouais, c'est l'administration française pure et dure. Hein. C'est ça, quoi. Quand tu vas, par exemple, à la sécurité sociale ou je sais pas quoi, pour aller chercher des papiers, c'est complètement ça, en fait. Voilà, donc on a une petite... 4... Peut-être que je dois devoir revendre une poule, en fait. Ouais. Ah, puis un qui a dû faire plaisir à Judy, c'est McEnpix, le cuisinier des titans. Ah, je me rappelle plus. C'est le belge. Ouf, ça parce que c'est belge que ça me fait forcément plaisir. Hein. En vrai, je mais non, mais... C'était... Quand c'est Obélix qui fait l'épreuve et qui doit manger tout ce qu'il y a dans la cuisine de McEnpix. Et qu'au final, il sort en pleurant et puis Obélix arrive, il fait « Astérix, t'as pas vu le cuisinier ?» Il m'a laissé tomber juste après le hors-d'œuvre. Oui. Donc, Mickaël qui dit « Ah ben, je vais m'y mettre à Wakfu, j'adorais Dofus. » Maintenant, c'est pas le même style de dessin. Maintenant, je pense que si t'as aimé Dofus, tu pourrais peut-être aimer Wakfu. Maintenant, il y a des gens qui préfèrent Dofus à Wakfu. Hein. Ça, c'est... Voilà. Je regarde ce que si je peux faire des cadeaux à d'autres personnes. J'adore pour aller faire un cadeau à Linus, tiens. Peut-être pas des fruits ici que je peux récolter dont je pourrais... Oh, elle a tout plein, regardez-moi ça. On va offrir des fruits à Linus. Par contre, j'espère juste un truc, c'est que c'était pas le pommier qui a bugué, enfin qui s'est chopé l'éclat, parce que ça me ferait vraiment chier, honnêtement. Je pense pas, je pense que ça c'est le pommier, je pense. Parce qu'on est en été, ça prend 28 jours et là du coup... Ce serait un peu con quoi. Bon bah moi je devrais y aller, Judy, je devrais te laisser. Ok, des bisous Nico. Des bisous, tu verras en MP, je t'ai envoyé un petit lien, donc quand t'auras fini ton live, tu regarderas. Ok. Allez, à plus. À plus, Nico, prends soin de toi. Bah moi, Collégramme, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai mes phases de Wakfu, en fait. Autant il y a des fois où j'adore, où je peux y passer des heures, tant des fois où je suis un peu plus... bah voilà, j'y joue une heure ou deux. Là, j'y joue ça et là quand j'ai le temps, en fait. Donc, voilà. Musk est tout content. Voilà, nickel. C'est
Et de voir à qui je peux offrir un cadeau en plus. Shane a déjà eu. Emily n'en a pas eu un. Clint pour en avoir un. Mais ouais, maintenant je crois que c'est un peu tard quand même. On en va retourner chez nous, là, il est 21h. On a fait notre cadeau à Linus, c'est bien. Oh, regardez, regarde les étoiles, Maro. Oh, trop bien. Enfin voilà, je propose, voilà, c'est comme vous voulez. Pour Wakfu. Maintenant, oui, moi, j'y joue pas de façon... je joue pas tous les jours, et quand j'y joue pas énormément. Donc voilà, maintenant, c'est comme vous voulez. Bon, je regarde, là, ça pousse pas. Pourtant, j'ai pas mis de trucs... On va voir. Ah super, on a eu plein de thunes. Cocorico ! Notre mari est parti, il est pas là, il est où ? Reine des sauces. Le gâteau rose, ok. Bah c'est celui-là en fait. Alex, j'ai debout, j'ai nourri tous les animaux de la ferme, je devrais rendre le travail un peu plus simple. Ok, d'accord. Linus, du sa... Ah, du sashimi! Ah, oh, c'est trop bien, qu'est-ce que c'est? Le mal est lui, ce qui veut de l'huile de truffe. Ok. Oui, le chat, miaou, tu es là. Je sais que tu existes, mais tu vas attendre un petit peu la fin du live, s'il te plaît. Pour avoir ta pitance. Enfin, ta pitance. Parce que tu m'es utile, hein. Tu jettes même pas les sourires en appartement, hein. Hop. Hop, allez. Venez, mes petits piments, venez là. C'est vrai qu'il faudrait qu'on aille offrir aussi un petit coquillage à notre ami Alex. Enfin, notre ami plus que notre ami maintenant. Notre chéri, pour entretenir sa petite flamme. Non, je crois que je vais vite faire ça. Avant d'oublier. Attendez, je vais juste mettre ça ici. Hop, hop. Oui, Sakura, je sais que tu existes. Merci de te taire, le chat. Miauler ne servira à rien. Tu n'auras pas plus vite ton repas en miaulant. Je te dis déjà, tu vas juste me faire chier. Oui, miaou, je sais! Oh, je vous jure, ce chat, il me rend dingue parfois. Je l'adore, hein. J'adore sa cour, mais parfois. Ouh. La mineure qui crie croquette. Vous le rendez fort? J'ai piment. Déjà sélectionner cette partie là. Mon écran, ça sera mieux. Ça va pas me demander 10 000 fois si je veux manger un truc que j'en mets. Voilà. Qu'on voit pour aller apporter son huile de truffe à notre pote. Oui, j'arrive. Hop. Attendez, je vais juste la laisser là. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà.
Je laisse là pour y repenser quand j'irai pour vendre, aller choper, enfin aller remettre tout quand j'aurai fait les animaux. Comme ça j'irai l'apporter à notre... Par contre il y a un bug, l'eau du chat reste remplie ou c'est moi? C'est bizarre. Non, non, on entend à peine. Mais moi, je vais lui donner parce qu'en fait, là, elle me saoule, là. J'arrive. Parce que là, c'est moi qui elle saoule. Là, j'arrive. Et j'ai aucune patience avec ce chat, donc voilà. Derrière, c'est normal, c'est les croquettes qui tombent dans leur distributeur à croquettes. Soyez rassurés. Mais le fun est tombé, je crois. Mais le fait s'est suicidé, je ne sais pas où il est. Mais le fait est tombé. Vous l'avez vu tomber où? Je ne sais pas du tout aimer le fait. On a perdu mais le fait. Bon, c'est pas grave. Je n'ai pas du tout aimé le fait. Mais le fait a dû glisser sous le canapé. C'est pas grave, j'irai le rechercher après le live. Enfin, j'irai la rechercher après le live. On a l'œuf ici qui incube toujours. Voilà. De quelle flamme tu parles? Oups. Oui, le cochon. Blanchette n'a pas de lait. Voilà. Et vous avez vu tout ce qu'elles ont déjà bouffé, les cochons et tout ça là? C'est ouf. Voilà. On va aller offrir notre huile de notre huile de truffe. Ah. Allez, oui. Ah, super, on a le pommier qui pousse. Je crois que c'est le pommier, je pense. Je sais plus. Je sais plus. C'est pas grave. Enfin, je peux regarder un live. D'habitude, je les rate tous. Salut, mademoiselle. C'est Emily, vous, mademoiselle. Je sais pas du tout comment c'est ton pseudo, mais en tout cas, bienvenue à toi. Ça fait zizir de te voir parmi nous. Lewis, viens ici, Lewis. D'ailleurs, pour ceux qui regardent le live, parce que là, je pense que c'est un petit nombre, je vous préviens déjà, le prochain live aura lieu dimanche à 15h30. Ça sera un live Minecraft où j'irai pour l'inauguration de la série qui s'appelle Egoria. Donc voilà. Je pense que je mettrai un petit mot sur le Discord concernant l'ouverture de ce serveur. Donc c'est un serveur mini-jeu. Hein. Où est-ce qu'il est, Lewis? Lewis, j'ai de l'huile de truffe. Où est-ce qu'il est? Peut-être chez truc. Je sais pas du tout où il est. C'est chiant. Peut-être chez Marnie, je vais aller voir parce qu'il dirait qu'il traîne souvent chez Marnie, le petit Lewis, hein. Le petit Lewis. Mademoiselle avait... Je suis déjà passée plusieurs fois lors de tes lives Minecraft. Ah d'accord, ok. Hey, salut Nosmose. Est-ce que Lewis, il est chez toi, Marnie?
laisser chez toi? Super. Vous avez trouvé le caleçon du maire. Le caleçon violet. Mieux vaut le rapporter à Lewis. Et quand vous cliquez là-dessus, vous voyez, mieux vaut ne pas l'inspecter de trop près. Voilà, on a trouvé le slip du maire. Voilà. Fabulous. Là, tu passes comme ça, tu vois, tu fais... Il paraît que t'as un truc, si tu le mets sur le... l'étal dans le... C'est chaque dog qui mène sur l'étal dans le truc de... Allez. Vous voyez la fête là, qui est un moment là, je crois que c'est à l'automne où il y a tous les récoltes. Si vous le mettez là-dedans en fait, Lewis il capte que c'est son caleçon, il pète un câble. Et donc en parlant de serveur, tu sais pas bien, on va fermer ou on peut déjà. Ou on peut peut-être déjà fermer. Je crois qu'il ferme fin août ou fin juin, je sais plus. Je suis beaucoup sur YouTube, notamment sur Stardew Valley, tu m'as fait découvrir. Et je passe le part de mon temps sur ce jeu maintenant. Ah ok! Mademoiselle Ave, ok, ok. Là, je vais avec le slip du maire dans les bras en mode wouhou, regardez. Ça le fait trop. Hé, qui a un slip? Coucou Indara, coucou chérie. Dara qui me laisse un vent. Ah, t'as dit coucou, excuse-moi. Désolée. Shame on me. J'ai trouvé le slip du maire. Dara est ravie pour moi. On dirait pas, mais elle est ravie. T'avais pas beaucoup de monde dessus. Bah, le truc qu'il y a, c'est que je crois que c'était Fanta qui payait le serveur. Mais bon, comme Fanta arrête YouTube, je peux comprendre qu'il ait plus envie de payer, quoi. C'est un peu normal. Est-ce qu'il serait peut-être pas au-dessus? C'est pas Lewis. Bon, écoute, on ira le soir, c'est pas grave. Là, je vais d'abord aller vite à la truc aussi. Oh, on n'est pas allé non plus à la... Oh, ça peut attendre, c'est pas grave. Mais là, on va un peu voir le nouveau serveur là que je vous dis. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Moi, ils m'ont invité à venir voir, donc bah moi j'ai dit pourquoi pas. Vous avez vu à la MSE, je sais pas si vous vous rappelez, la convention in-game dans Minecraft, j'avais vu leur stand. Et donc bah voilà, je suis intriguée. Bon, ici. Caca, oui, qu'est-ce que tu vends toi aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux t'acheter? Lait de chèvre, chou rouge, lingot de fer, accélérateur de luxe, tulipe, graines rares, je prends. C'est tout? La cause de poisson. Bon bah écoutez. Pas grave, on va aller vite casser les trucs au-dessus. Maintenant, mademoiselle AV, si tu veux savoir, les lives, je les préviens donc généralement avant sur Twitter, sur Facebook. Et par contre, je me rends compte que je vais te prévenir sur Discord. Mais maintenant, tu as aussi le planning sur jolienames.com, donc tu vas sur mon site, donc jolienames.com, tu cliques sur l'onglet planning, et là je les indique. Et à mon avis, les amis, c'est pas parce qu'on a un jour férié en plus que je vais faire un live en plus. Je pense juste que je vais travailler sur les prochaines vidéos. D'ailleurs, je me tâte à arrêter une de mes séries sur Minecraft, pas Amazia, Dreamsland, parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai pas de temps pour Dreamsland. Parce que, et donc, du coup, en fait, en ayant ces deux séries-là, je peux pas faire des trucs comme je voudrais sur Amazia. Et donc, du coup, voilà, je ne sais pas. Je sais pas. Ça me frustre un peu en fait, parce que je fais pas tout ce que je voudrais. Eh, coucou Inès! Je dois retourner à mes révisions, donc bonne fin de live. Ok, des bisous ma belle!
Bon, est-ce que maintenant nous allons avoir tout ce qu'il faut de la part de notre chère mère? Hop. Oh, bientôt on aura le truc. Bon, est-ce qu'il est... Il est peut-être au truc, en fait. Il est peut-être au bar. J'en sais faire aussi, mais mon week-end 3 jours, je vais en profiter. Désolé, je vais pas rester, mais je mourrai dans 5 semaines. Donc c'est à... Pas... Mais pas de soucis, t'inquiète pas, Inès. Tu viens quand tu veux, ma poulette, tu sais bien. Vous venez quand vous voulez sur... Et regarde ce que j'ai trouvé. Peut-être que je peux lui offrir. Non, je vais pas lui offrir. Bon, je vais déjà lui offrir... Non, une bière à elle. À elle. À lui. Et à elle. On va prendre une bière en plus. Pour lui. Et... Est-ce que le maire est chez lui ou pas? Je sais pas que je pourrais plus rentrer. Ah si! Ah! Regarde, tiens. Je t'ai retrouvé. Oh, merci. Là-bas, j'ignore comment ils ont atterri là. Ça reste entre toi et moi, d'accord. Donc, il fait des galipettes avec Marnie. Tu as apporté de l'huile, fais voir. Elle est d'excellente qualité, très huileuse. Super, merci. Ok. Je veux pas savoir ce... Attends, le slip et l'huile. Là, tu te fais tous les films possibles dans ton pauvre petit cerveau. Surtout moi, en fait. Hein. Coucou mademoiselle Gigi. Oui mais bon voilà, depuis le temps que je devais la faire, hop voilà. Ça m'aura fait un petit peu des thunes. Pff, pas ouf hein. Et d'amarante pour Marnie. Ça, le niveau 25 de la mine, ça va être chaud. Et porter une graine de carambole. Enfin une carambole plutôt. Bon bah voilà, Chachou, t'as vu, je les ai prises. Bon! Hop. Sympa ce petit jeu. Oui, mademoiselle J, moi je l'aime bien en tout cas. C'est très très détendant. Par contre, je vais vous faire un petit coup si vous voulez bien. Il a cuisiné un truc peut-être. Je vais me promener au village aujourd'hui, on se voit ce soir. Ah oh, bah oh bah dis donc. Il me fait des bisous sur les nénés, Alex là. Oh bah dis donc. Eh bah Alex, t'as un petit coquinou là. Bon bah ah bah notre œuf est toujours en incubation là. Moi j'ai vu une petite poule du néant. C'est des petites poules noires, elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes choupi choupinou. Alex veut conclure. Il coûte combien? Le jeu coûte, je pense, un peu moins de 14 euros. Mais franchement, il les vaut. Il les vaut clairement, enfin, même je le trouve pas cher en fait, pour tout ce que tu peux faire dedans. Parce que franchement, enfin, j'ai déjà beaucoup d'heures de jeu sur ce jeu, vraiment. Ah, là, il y a une truffe. Et en plus, bientôt, il y a le multijoueur qui va arriver. Donc, franchement, c'est... Ça va être bien. On va pouvoir jusqu'à 4 personnes en même temps sur une partie. Ça va être cool. D'ailleurs, à mon avis, il y a Jalilo qui va venir jouer avec moi. Parce qu'elle, elle est intéressée. Elle est pas intéressée par le jeu comme ça. Mais en multi, ça lui dit bien, en tout cas. De ce qu'elle m'a dit.
Voilà. Oui, mais on veut les mentions. Franchement, oui, en plus, il y a la bêta multi. Oui, mais la bêta multi, elle est grave buggée. Hein. Tu sens que c'est la... Tu sens que c'est la bêta, quoi. Oui, Alex s'est tiré, c'est vrai, il est parti se promener, juste. Qu'allons-nous faire aujourd'hui ? Ah, on a des myrtilles encore récoltées. Peut-être faire ça. Et voilà, la serre aussi, s'il y a d'autres plantes qui ont poussé. Oula, ouais, mais il y a plein de trucs à récolter en fait. Ah, ça c'est bien ça, ça c'est cool, on va se refaire une petite santé. Oui, après, ouais, on est que le matin, j'irai vite dans le bois aussi parce qu'il faut vraiment qu'on avance pour la maison parce que j'aimerais vraiment l'agrandir, vraiment pour bah, faire un bébé avec Alex. Simplement. Voilà. Et ben on aura des trucs à vendre là. Ça, c'est bien. Depuis longtemps. Ça fait déjà plus ou moins maintenant que j'y joue. Ouais, plusieurs mois. Et franchement, j'ai vraiment bien accroché. De toute façon, je ferai pas live dessus. Ça m'arrive aussi d'y jouer en hors caméra parce que j'ai une autre partie qui est non filmée mais qui est pas aussi avancée que celle-ci. Donc voilà. Bah voilà, tout... se recycle. Est-ce que nos petits cochons ont trouvé des truffes encore? On voit pas bien. Mais je pense qu'on va agrandir l'enclos à un moment. En fait, je vais essayer de bazarder tout ça pour vraiment bien agrandir l'enclos. Vraiment, parce que là... c'est vraiment petit et j'ai envie qu'il y ait de la place. Peut-être même que je vais peut-être garder cet espace-là. Pour les poules, vraiment qu'elles aient encore plus de place. Ça me saoule la souris, j'y arrive vraiment pas. Ah, bah bon. Ma partie privée, je sais déjà plus pour te dire, mademoiselle Lavé, parce que pour le moment, j'ai pas trop le temps de jouer en dehors des. En dehors des vidéos. Pour tout vous dire. Voilà, Wakfu installé, super. Bah écoute, maintenant, Mikeltov, je t'invite peut-être à regarder. Enfin, tu l'as bien assez parce que parfois c'est juste le launcher et il te refait une autre installation derrière. Donc, vérifie quand même. Surtout que parfois, la première fois démarrage, il bug un peu et... enfin, voilà, je te le dis. Aussi Mickaël limite sur Discord dans le
Dans le présent toi, mets que t'as un Wakfu maintenant, pour, histoire qu'on puisse se mettre le grade. Je pense que ça pourrait être utile. Ah, bientôt. Dans le prochain live, on pourra agrandir la maison. Pareil pour moi, j'arrive pas à choper le coup pour pêcher. Ah, pour pêcher! Ah! Oui, c'est juste une question d'habitude. Une fois que vous l'avez, vous inquiétez pas. Enfin, c'est juste oui, une habitude à prendre. Donc. Ça me frustre les trois pommes là qu'il faut. Ça me frustre. Ouais, tiens, j'ai pas donné à boire au chat. Je vois que sa gamelle est vide. Voilà. Tiens, je vais plus te regarder un truc, mais je regarderai ça après le live. Je me demande en fait si YouTube, ceux qui ont été voir la... dans le planning, voir si la vidéo que j'ai montée tout à l'heure, si YouTube va me faire « Ah non, tu peux pas la monétiser !» J'ai curieuse de voir. Hop. Aussi via là. Bon, je suis mariée à Shane, il a dragué à un coup de bière, c'était nice, et là je suis enceinte de 2 jours. Ok, d'accord. Voilà. Il est 15h50, c'est qu'il y a plein de cadeaux qu'on peut faire, donc on va tout doucement aller au truc peut-être. Je vais aller passer par au-dessus, filer un cadeau, enfin trouver un truc ou quoi et l'offrir à Linus. Moi que j'ai encore des trucs dans ma... Ah oui, tiens, c'est vrai qu'il faut... J'ai pas été voir, j'aurais bien voulu aller voir si on en avait récupéré des trucs comme ça. Ah, la graine. Ça, enfin, c'est pas une graine, c'est un fruit. Je vais le vendre directement, parce que quand je vois le truc, la belle, là, je suis dégoûtée. Moi, avec Alex, comme ce qu'il adore les pizzas, donc c'était simple aussi. Moi, c'est vrai qu'Alex, quand je vois, j'ai dragué à coup de coquillage. Wakfu qui me dit... Moins d'une minute pour finir l'installation, ça fait déjà 5 minutes déjà. Ah! Courage, diable. Courage. Mais sais-tu si le bébé va grandir ou va-t-il rester enfant? Je crois qu'il reste enfant. Le voisin a The Return, je ne sais pas, j'ai eu un doute. Ah, super, on a un petit raisin là qu'on pourrait offrir à Linus. Ah zut, j'ai pas pris ma truc. Salut Linus, ça va mon petit pire. C'est un cadeau génial, merci. On a 3 quarts avec lui, cool. Salut. Mon cochon d'Inde, David, déteste ce climat chaud. Il est difficile. Ok, d'accord. Ok. Ok, Mickaël Titeuf. Je connais pas du tout ce jeu, le jeu dont tu parles. Salut Penny! Bon. Yay! Et bienvenue à Mary Stitch! Merci pour ton follow! Je peux lui faire un truc? C'est un super cadeau, merci! Ah, super, elle a bien aimé! Ah, c'est vrai qu'ils vendaient de la pizza ici, donc c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Il dégage une énergie positive! Oh là là! Ok, bon.
On n'aura pas eu grand chose à faire aujourd'hui. Ah mais ça me saoule, j'avais super envie de déjà aller améliorer notre truc aujourd'hui. Ok, bisous chachou. Merci d'être venu. Il nous reste combien de bois à avoir? 2 jours de bois à faire, ouais. Ah ouais, tiens, bah voilà là, Alex, on va lui faire un truc. Hop. Merci. Super. Bon les gars, je vais déjà me coucher dans le jeu parce que, enfin... Ah bah voilà, ça fait s'éteindre le truc. Oups. Oh dodo. Mille. Oh. Et attends. 3000. Oh, ça revient. Ça. Waouh. Ah, c'est trop bien. Oh, toute la thune qu'on s'est faite. Oh, c'est grave bien ça. C'est grave bien. Bonjour ma chérie, je t'ai fait... Oh, il m'a fait un petit déjeuner. Oh, c'est trop gentil. Attends, je vais donner un coquillage. Attends. Oups. Je vais au moins essayer de débloquer le... D'aller mettre ce qu'il faut pour avoir l'extension de la maison parce que ça me saoule. Spaghetti, ok, merci Lewis. Putain, mais c'est poulet qui mange, mais à crever toute l'herbe que je leur donne. Oh, c'est un truc de fou. Ils ont faim les bestiaux. Hop. Voilà. On va plutôt notre graine rare aussi. On a 100 myrtilles tout pile, quoi. Oh. Ça, c'est trop bien. Bonjour le chat. Hop. Hop, graine rare. Ah, c'est 2 sèves et 1 poisson, ok. Au cas où. Encore des trucs à mettre dedans. Voilà. Oui, là, le quartz dans le truc ici. Oh, on n'a rien là, dommage. Allez, oh, arrête. Voilà, arrose là. Voilà, merci. Hop, je remplis mon truc. Allez, déjà vendre aussi mes petits fromages et... Allez! Oups, non, c'est pas ça que je voulais faire, merci. Voilà, vendre notre mayonnaise et notre fromage, ça c'est fait. Et oui, je vais essayer au moins d'avoir terminé le... est-ce qu'il y a encore un... Oui, il y a encore un truc quoi qui est planqué dans le fond, voilà. Par contre, pas de poule noire pour le moment, ça incube toujours. Encore un lapin qui s'est arraché la patte. Ouais, le voisin qui a commis sa musique de merde. Oh, le voisin. Enfin, vous l'entendez pas, donc ça va. C'est mon j'en détecte son vocal, donc du coup, vous ne l'entendez pas. Il n'y a que moi qui suis obligée de subir ça. Oh, regardez, il a chopé une truffe là maintenant, comme ça. Brave cochon.
Non, reviens. Ok, et cette vache là, je peux prendre? Mais cette vache, mais oh, mais ça me saoule, c'est hitbox de merde. Oh merde, ça me saoule. Oh non, ça me gonfle là. Oh, ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Regardez-moi tout ça! Ça, c'est trop bien. Yeah! Et bienvenue à Youssef Shekdid. Merci pour ton follow, Youssef, et bienvenue à toi sur ma chaîne Twitch. Ouais, ça, les pattes de lapin, je sais pas ce que je peux en faire. Prenez une masse, cela me dit que ça porte chance, ok. Je vais quand même les garder, même si je sais pas trop ce que je pourrais en faire. Oh, je sais. Je vais aller en offrir une au sorcier. Je me demande si ça pourrait peut-être pas lui plaire. Vous voyez le sorcier là, sur le côté, là, dans le truc au-dessus? Je me demande si ça pourrait peut-être pas lui plaire. Je sais pas si je peux peut-être devenir son ami comme ça. Dis Wakfu, t'es sur quel serveur? Je suis sur Datura. Coucou Mary Stitch. Je me dois de manger beaucoup. Ça va Mary Stitch? Bienvenue à toi. Bonjour le slime. Ah là, tu rigoles moi là. De 1. De 2. Enfin, pas de 2. Là, de 2 maintenant. Peut-être que je jouerai un peu au soir à truc à. À Wakfu, sûrement. Je jure un petit peu ce soir. Voilà. Tu veux décaler un toi? Tiens, câline mon épée. Malotru. Donc la patte de lapin, je vais voir pour aller la donner au magicien, peut-être qu'il sera content. Je me dis un truc qui porte un peu chance, comme ça, un peu truc magique. Je me dis que ça pourrait lui plaire, donc on va tester. On peut quand même devenir ami avec tout le monde. Bon, je sais pas si j'aurais le réflexe d'aller le trouver chaque fois. On va voir. Bonjour! On va voir ce qu'il va dire. Ah, c'est imprégné d'une force énergétique occulte. C'est très utile pour mes études. Merci. Donc oui, il a l'air d'être content. Bah, attends, je suis sûr. Ok, sympa, je lui offre un cadeau et puis après il me fait casse-toi. Ok, bah ok, bah, merci. J'attends mon mail de confirmation de Wakfu. Ok. Sur Wakfu, c'est pas compliqué, hein. J'ai un personnage principal, c'est Jody Dream, ça en un mot, donc voilà, vraiment pas compliqué. Et je suis de race sacrieur maintenant. Ceux qui ne connaissent pas le jeu, n'hésitez pas un peu à fouiller, à tester, à bien faire le tutoriel. Bon, je vais pas dire que je vais pouvoir aider tout le monde, loin de là, je sais même pas, enfin voilà, moi je vous dirais d'abord de découvrir un petit peu le jeu par vous-même. C'est le mieux. Oh, on a 70 000 gold. Là on est bien quand même, hein. Là on est bien, moi j'ai que ça à vous dire les amis. Là on est quand même bien. Hop. Là, voilà, il reste, je pense qu'on va vendre. Et ça, dans le coffre des crafts. Est-ce que je peux pas me faire un autre... un truc comme ça. Et deux chauves-souris, lingots de quartz. Est-ce qu'on a des deux chauves-souris? On a tout ce qu'il faut pour faire les trucs. What? Regardez-moi ça! Hop. Hop. On va en faire deux.
Voilà, bon. Eh bah, on est gâtés, là. Cinq, hop, les trois. Voilà, ici. Donc, on va mettre un, je pense, ici. C'est un endroit où on passe. Donc, ici. Et l'autre, on va le mettre un peu plus bas au milieu des arbres. Parce que là, j'ai quand même eu un arbre qui est cramé. Et ça m'a un petit peu saoulé quand même. J'aimerais bien ne pas en avoir d'autres. On va le mettre, je pense, ici. Voilà. C'est pas mal comme ça. Oh là là, les gars, on va se faire plein de thunes. Oui, le chat. J'aime bien qu'ils jouent ensemble, il me semble. Ah, coucou Kinem. Ça va? Voilà, j'y suis. Ah, super. Bah, bon jeu à ceux qui jouent, alors, hein, en tout cas. Que je regarde ce qu'on peut faire. Oh, on a 12 cœurs avec toute Marie. Bon, faut vraiment qu'on agrandisse notre, notre truc, hein. Donc pas manager des cadeaux. Crobus, d'accord. Je vais un petit peu me promener dans le truc. Peut-être qu'on faudrait qu'elle voit quelques personnes. Et parler un petit peu avec les PNJ. Ah, là encore un fruit. Peut-être qu'on pourrait l'offrir à Linus. On m'a qu'on a déjà offert de cadeaux à Linus cette semaine. On a offert qu'un cadeau à Linus cette semaine, donc on va aller. On va faire le tour, je pense, et puis après on va aller au café acheter des bières pour tout le monde. On a câliné le chat aujourd'hui. Il y a de l'eau, je vois, mais. Ouais, on l'a câliné. Fruits ? Peut-être. Ah oui, on a quelques fruits. C'est bien ça. Je le mettrai en vente en rentrant. Ah, par contre, j'ai pas encore pris ma houe pour casser les trucs à terre. Ah, c'est pas grave. Ah, mais ça, c'est frustrant de voir des fruits comme ça de l'autre côté de la barrière. Qu'on peut pas les chercher. J'aime bien le paratonnerre plus petit une fois posé quand tu le portes à bout de bras. C'est vrai. Moi, je vais donner un fruit de bonne qualité à Linus, pour ça il sera content. C'est un cadeau génial, merci! Mais non! Oh, mais le gars, je lui offre un cadeau, puis après, t'es venu me ridiculiser, mais. Oh, qu'il est con! Oh, je vous jure, quoi. Jamais content! Ah, t'aimes bien, toi, les fruits? Je sais pas ce qu'il a dit, non? Ils ont pourquoi m'invite le faire. Tiens, voilà une framboise. D'accord, ok. Je suis pas très fan de ça, mais d'accord, ok. On va dire que merci, hein, je suppose. C'est un peu ça pour le coup. Et toi, t'aimes bien? Merci, c'est vraiment sympa. Yay! Moi, j'offre des cadeaux comme ça aux habitants. Parfois, ils aiment mon courbière, les petits cadeaux comme ça. Je tente. Ok, d'accord. Je sais, j'ai vu que j'avais une quête, t'inquiète pas. Donc à qui est-ce que j'ai déjà offert des cadeaux cette semaine? À Pam, j'en ai déjà offert en suffisance. Shane, je prends. Pour Emily, j'ai pas besoin. Gus, pas besoin. Donc il y a juste Shane. Merci, j'adore ça, comment tu sais? Bah, parce que t'es alcoolique. Sans vouloir être méchante. Par hasard, voilà. C'est pas gentil de profiter de ton alcoolisme pour avoir des cadeaux. J'aime bien le paraton... Ouais, j'ai déjà lu. C'est la magie. Ok, d'accord. Vous êtes plutôt silencieux. Vous êtes combien, en fait, à regarder le live? Une petite vingtaine, quand même. C'est cool. C'est cool.
Bon, on va mettre tous ces petits fruits en vente. Hop, 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 voilà. Et au dodo. Oui, je sais, il est tôt, mais au dodo. J'ai envie de vite avoir nos trucs. Juste regarder quelque chose. Ouais. Après live, les gars, on va faire un petit raid. On va faire un petit raid, je pense. Je vais juste encore jouer une journée. C'est vraiment pour avoir les... J'ai pas le chacha qui vole. Juste pour avoir vraiment les... Allez. Pour avoir les... Oh là, les quelques bois qui me manquent pour les trucs. Merci, d'accord. J'ai des bouts de toit et j'ai des poupées pour arroser les quelques plantes. J'espère que cette... Les plantes, enfin, les arroser les trous de balles, c'est moi qui les... C'est... Oh, il est con. Oh, il me saoule. Ça, j'en aurais besoin. Le mec, en gros, je sais pas ce qu'il a été faire. Est-ce qu'il a été régler les... les trucs, je sais pas. Tu te demandes ce qu'il a parfois dans le cerveau. T'es gentil, mais parfois t'es un tout petit peu con, hein. Donc oui, je disais fin de live, on va faire un petit raid. Je pense qu'on va aller faire un petit raid sur le live de notre ami Roi Louis. Il est en train de jouer à PUBG. À mon avis, il fera pas gaffe. Mais bon. Voilà. Pimeng. Oh, et notre petite poule là, elle vient toujours pas, hein. Moi, ça me rend triste, je trouve lui, maman, ma petite poule du néant. Voilà. On a un petit radis ou quoi ici? Oh, un petit radis. Une orange aussi qui a poussé. Bon, on a des trucs à vendre aujourd'hui. Par contre, je suis vraiment contente qu'on ait aussi bien avancé. Je m'attendais pas à ce qu'on avance aussi bien aujourd'hui. On a eu la meule là, on a eu des petites pattes de lapin qu'on n'avait jamais encore eu avant. Des cochons en plus. Des trucs en plus pour faire des meilleurs produits. Eh, c'est quoi ce bruit? Kill name? What? Ok, quelqu'un qui me fait des farces. Je crois que c'est Kill name qui va me troller. Je crois reconnaître sa douce voix qui est en train de se marrer. Oh, ça va, c'est pas drôle! Laisse-moi streamer tranquillement. Oui, tu reconnais ma douce voix, boum. Mais... En même temps, t'es une voix reconnaissable. Non. Bah, si. Bah, d'accord, tant pis pour toi, alors. D'accord. Pas croyable, ce mec, je vous jure. Alors, ça se passe bien avec Annette? Mais oui! Encore divorcé! Bah non, pourquoi je divorcerais? Je sais pas, au début tu l'aimais pas, donc au pire tu te maries, après tu te divorces. Ouais, mais non. En plus, t'aurais pu faire du putaclic, genre, je sais pas. Faut trouver. Oh, t'inquiète pas, du putaclic, il y en aura bien demain. Avec la vidéo qu'on a tournée. J'ai vu. As-tu vu la magnifique miniature? Oui. Avoue que c'est une matière de qualité quand même. Magnifique. J'en ai rarement fait d'aussi bonne qualité. Je tiens quand même à vous le dire.
Les amis, vous allez voir ça demain, vous allez halluciner en fait. C'est jeudi. Je suis sur la chaîne de jeudi. En fait, vous allez me dire, non, je suis sur la chaîne de Code Folan en fait. Une carte Google Play est cachée dans cette vidéo. Oh putain, j'aurais dû le faire ça. Putain, mais comment est-ce que j'ai pas pensé? J'aurais dû le faire ça. Ah! Bouh, tu ne penses pas aux bases. Ouais, mais bon, je suis pas comme ça, moi, à la base, justement, monsieur. Moi, je suis quelqu'un de bien, ok? Je ne profite pas de mes abonnés. Mais... Sans oublier le casson du maire à la quête de la tour. Oui, j'avoue, on a fait la quête du casson du maire. La quête la plus importante de tout le jeu. On a 83 000 boulas. 83 000 boulas. J'ai un pote, il en a 400 000. Eh bah, tant mieux pour lui. Ouais. Bon. Allons couper du bois, 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 du bois. Et si on peut l'amener déjà tout de suite à Robin, on va le faire. Parce que je veux absolument qu'elle agrandisse ma maison. Je veux faire un petit bébé. Oui. N'empêche, c'est quand même un jeu de fermier, mais en fait, t'es plus multitâche d'autre chose. Tu dois faire le bois, la pierre, le... Complètement. Bisous, collégramme. Donc... Les amis, donc il y en a certains qui sont, mais restez bien parce qu'on va faire un petit raid après ce live. On va aller faire un petit raid à mon ami Roi Louis qui live sur du PBG. Est-ce que je dois préparer un lien pour son live ou tu sais le faire directement Je saurais le faire directement. Pas de truc ici, ok, on va aller défoncer le dernier slime qu'il y a. Mais tu me cherches toi. Tiens, voilà. Oh les coussins de musique là. C'est quoi, j'ai même envie de refaire le montage de ma vidéo en fait avec la carte Google Play. Ah ouais, mais le montage il est toujours là, mais c'est juste que j'ai fait l'upload, tu vois, et que c'est pour demain et que j'aurai pas le temps. Mais écoute, ah oui, bah si t'as pas le temps, non, tant pis, il nous sera pour une autre fois. Ouais, peut-être que je ferai un troll comme c'est une autre fois quand on refera une autre vidéo du genre. Si on en refait une du genre. Oui, oui. Il y a sûrement d'autres concepts dont on pourra se foutre de la gueule à l'avenir. Oui, il y en a plein. Bon, comme ça vient pas à l'idée, mais il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Bisous, Mickaël Titoff, merci d'être passé. Il y avait tous Wakfu, ouais. Si jamais tu sais pas si je suis connecté ou pas, tu tapes, tu regardes, tu ajoutes dans tes contacts mon pseudo et tu verras en fait, ça t'indiquera quand je suis connecté. Par contre, juste me harceler pas en MP parce que ça va me saouler, ça je vous le dis déjà, parce que je répondrai pas forcément automatiquement, hein. Ça je tiens à le dire. Bouh, Jody Dream, ça se prend pour une star, elle répond même plus à ses abonnés, bouh. Ça va aller là. Bouh, t'as changé. Je te croyais pas comme ça. Tu veux des baffes, toi? Oh, dis donc. Je te permets pas. Bah moi, je me permets. Ok, d'accord. Jolly Dream s'agresse son mode, ça tourne mal. Bouh. Oh, maman, qui n'aime fait quand même soin parce que parfois il y en a qui peuvent prendre mes qu'est-ce que tu dis. Hein. Mais faut pas. Ouais, mais toi qui. Moi je te connais donc du coup je sais bien que tu dis ça au second degré et que tu déconnes. Mais il y en a qui vont prendre ça au premier degré et je préfère éviter, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Bon. Bon, on a agrandi notre maison, ça c'est très cool. C'est que là, pour le coup, j'ai plus grand-chose à faire aujourd'hui parce que j'ai fait globalement tout ce que je voulais faire. Je vais déjà dormir maintenant, que ça sera un peu tôt quand même. Je suis en mode, bon, qu'est-ce que je fais? Et j'ai pas envie d'aller miner. J'ai la grosse flemme d'aller miner.
Il faut bien. Hein. Oh non, j'ai pas envie, j'ai déjà plein de ressources. J'ai déjà plein de ressources. Donc bon, on va faire un petit tour comme ça. Prendre quelques petits trucs ça, qui traînent ça et là. Les vendre. Ça fait déjà... Oula, 2h30 que je suis en live. Ça fait déjà un petit time. T'étais toute seule tout le live? Nico est venu un petit peu au début. Ah, super des truffes! Regardez-moi ça, toutes ces truffes! Yaf Limit, il te dit d'essayer de pêcher le cendre qui te manque. Non, le cendre, c'est en automne... Enfin, c'est pas la saison. Voilà. J'ai noté dans mon carnet, vous inquiétez pas. C'est en automne-hiver. Et là, comme on en était, bah là, c'est un petit peu mort. Vous inquiétez pas, je vais pas l'oublier, ce poisson. Parce que je le veux vraiment. Je le veux vraiment, ce poisson. On va mettre ça de côté. Avec ça. Et tout le reste, on va vendre. Coucou, Carcosion. Oh, Carcosion qui arrive à la fin du... Qui arrive à la... alors que c'est la fin. Bon! Bah bravo! Bravo! Bon, on va faire bouffer, toi. Je vais faire un exercice sur du j'adore. Ah, c'est trop mignon. Attends, je vais faire un screen quand je fais un bisou. Ah, c'est trop mignon. Voilà, on a fait un screen quand je fais un bisou. C'est très bien. Bon! Il y a Mary Stitch qui demande, ils mettent combien de temps ces beaux cochons pour trouver des truies? Je disais, mais en fait, ils peuvent en trouver chacun jusqu'à 4 par jour. Oh! Toute cette thune! Toute cette thune! La richesse. La richesse. Je crois qu'on a dépassé les 100 000 en fait. Logiquement, oui. Ah non, je suis con. Parce qu'on a déjà... Mais non, on avait déjà dépensé beaucoup de thunes avec le. Avec le. Avec la maison. Donc, hop, je coupe la musique et on va aller... Attendez, je vais mettre la caméra en tout grand. De toute façon... Hop, cam live. Je coupe le jeu. Et nous allons aller faire un petit raid à notre cher roi Louis. Et la phrase à mettre, c'est... Une carte Google Play est cachée dans cette... Non. Donc, la phrase à mettre, ça sera ça. Et donc, attendez, je vais lancer le raid. Donc, hop. Donc, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite, ce petit live. Tranquille ou pépouce, moi, c'était un plaisir de faire joujou avec vous et de m'éclater avec vous et d'avancer comme ça. Donc bah voilà, donc bah, je vous fais des gros bisous. À la prochaine, surtout restez vous-même. Ciao ciao. Et donc des allez bisous. Sur le petit live de roi. Hop, on va faire un petit raid. C'est parti. Hop, on y va. On y va. C'est long un raid de bordel. Ouais. Tu passes par là, toi. Bah, j'essaie de vous